Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions, enfin l'horoscope 2024 pour le signe du taureau. Donc, comme pour le signe du bélier, donc je vais faire l'horoscope du signe du taureau pour les trois décans pour 2024. Du coup, donc je rappelle à chaque fois dans chaque vidéo que c'est un horoscope dit solaire, donc général. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Car ça ne remplace pas la consultation avec un astrologue, avec une prévision personnalisée, donc avec votre thème personnel. Donc il faut, pour plus de précision, faire ce qu'on appelle un horoscope personnalisé, tout simplement, sur votre thème personnel. Donc là, ça donne un petit aperçu, on va dire, des influences planétaires générales. Mais voilà, c'est juste pour avoir une idée. Donc, on va faire les trois décans. Donc, je rappelle les premiers décans. Donc, c'est les natifs du 20 avril au 30 avril. Les deuxièmes décans sont les natifs du 1er mai au 10 mai. Et les troisièmes décans, les natifs du 11 mai au 21 mai. Alors, de manière générale aussi, parce que tout dépend des années. Il y a des années bissextiles. Donc, selon les années, ça peut se décaler de 1 ou 2 jours, par exemple. Donc, ça peut arriver que le deuxième décan, ça commence pas le 1er mai, mais par exemple avant ou après, ou que le premier décan commence le 19 ou 21 avril. Donc là, faudrait voir du coup par rapport à votre année de naissance pour avoir plus de précision. Voilà, donc on va commencer donc par le premier décan du signe du taureau. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les natifs du premier décan du signe du taureau? Alors, premier aspect, donc votre soleil natal donc sera en carré avec Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie des fortes remises en question, voire des périodes assez troubles, assez compliquées. Donc, c'est peut-être une période que vous avez vécue, qui a pu commencer un peu, on va dire, l'année dernière, enfin. En début d'année 2023, hein, il y a eu un passage de Pluton en Verseau sur 2 mois et demi à peu près. Donc il y a eu un petit aperçu, mais c'est léger. Alors c'est vraiment les tout débuts, on va dire, premier décan taureau, hein, vraiment ceux qui sont nés, on va dire, vers le 20 avril, hein, 20, 21, 22 maximum. Donc là, ils peuvent vraiment sentir, on va dire, des changements profonds, en fait. Il y a comme un besoin de transformation, de passer à autre chose, de comment dire. Alors c'est plutôt pas forcément bien vécu, parce que c'est un carré, donc quelque chose d'assez difficile, hein, une tension intérieure. Ça peut être une révolte envers l'autorité, envers comment dire, la société, le système aussi, hein, une vision assez pessimiste des choses, un rapport aussi avec l'autorité, le père, qui peut être compliqué, conflictuel. Il peut y avoir un sentiment de destruction, de vouloir manipuler, de vouloir peut-être passer à autre chose, de vouloir comment dire, ça peut amener vraiment des violences, des conflits, enfin pas forcément, alors pas forcément des violences, des conflits en tant que tels dans le sens agressivité, mais plus dans le sens vraiment un changement d'état, parce que le soleil représente vraiment notre état intérieur, donc il y a besoin peut-être de transformer des choses en nous. Donc peut-être les premiers natifs ont besoin de passer à autre chose, de mourir pour renaître, hein, c'est le sens de Pluton, hein, d'être une nouvelle personne. Et Pluton en Verseau parle de collectif, donc il peut y avoir un rapport avec l'amitié par exemple. Ça peut être changer d'amitié, de renouveler ses relations, une autre vision des choses. Donc ça peut être vraiment un passage assez compliqué et assez difficile qui commence à se mettre en place là. Et forcément, ce carré va être actif sur plusieurs années, hein, faut pas se le cacher, c'est une planète très lente, Pluton. Donc c'est un aspect majeur que les premiers décans taureaux auront à vivre, on va dire, voilà, sur. Alors ça peut parler dans le pire des cas des maladies, des cancers ou des choses comme ça, mais bon, on va pas non plus pour un problème de cœur. Mais après voilà, faut pas dramatiser, faut voir selon le thème de chacun, parce que tout est relatif, faut voir les autres aspects, bien entendu. Donc voilà, je ne veux pas faire trop dans le pessimisme, mais c'est vrai que c'est un aspect assez réputé difficile en général. Donc voilà ce que je peux dire. Donc on peut sentir déjà les premiers effets, hein, cette année. Donc aspect assez compliqué, on va dire. Ensuite, il y aura un soleil, votre soleil sera sextile à Saturne en Poissons du 1er janvier au 2 mars.
Donc là, pendant les premiers, 3 premiers mois, c'est plutôt positif dans le sens constructivité, c'est-à-dire le vouloir construire des choses, être beaucoup plus sur une assise, vouloir être plus mesuré, plus sérieux, plus ambitieux aussi, peut-être vouloir dans certains domaines de vie, tout dépend des maisons de chacun. Mais voilà, il y a peut-être des rêves en poisson, on veut peut-être aspirer à un idéal de choses qu'on veut matérialiser. Et ça peut être des choses positives, donc beaucoup plus on va dire, de pragmatisme aussi, de vouloir aller à un but, se fixer des objectifs qui peuvent être positifs pendant cette période. Ça peut être une construction, par exemple, de nouvelles amitiés, ça peut être, que sais-je, pour le travail, pour l'argent, pour des relations, des nouvelles relations. Voilà, il peut y avoir des choses constructives dans la durée. Ensuite, il y a Soleil conjoint Jupiter en taureau du 1er janvier au 21 février. Donc là, c'est positif sur le point de vue opportunité. Alors, en taureau, on parle souvent au niveau matériel, donc peut-être un accroissement matériel et financier, hein, sans aucun doute. Mais pas que, ça peut être affectif, ça peut être un rapport avec le père aussi en soi. On est beaucoup plus jovial, beaucoup plus enthousiaste, épanoui. Alors, il peut être une période où on se sent peut-être pousser des ailes, épanoui. Alors attention, parce que s'il y a d'autres mauvais aspects qui influencent ça, ça peut être dans l'excès avec Jupiter, hein, faire toujours attention de ne pas voir plus haut que ce qu'on peut faire ou ce qu'on imagine. Donc en tout cas, c'est une période de croissance, hein. Donc une période plutôt faste et d'honneur. Ensuite, on a le Soleil, enfin votre Soleil qui sera sextile à Mars en Capricorne. Donc là, on arrive dans les planètes, des influences de Mars, planète plutôt rapide. Donc du 5 au 18 janvier. Donc en début d'année, là, c'est, on va dire, ces 3 premières semaines, bon influx d'énergie, on va dire, pour l'action. Donc vraiment pour s'il y a beaucoup de travail à abattre, je pense notamment par rapport au Capricorne, c'est du travail par excellence, mais pas que. Pour atteindre des objectifs, là, c'est vraiment conseillé pour arriver à ses buts et être persévérant, en fait. Hein, on prend vraiment la Mars en Capricorne, la charge du poids sur le dos et on va jusqu'à nos objectifs. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment excellent pour, par exemple, pourquoi pas pratiquer un sport, fixer certains objectifs. Hein, on perd du poids, je pense à ça par rapport aux fêtes. Suite aux fêtes, par exemple, on veut fixer 2-3 kilos, j'en sais rien, voilà, on peut facilement peut-être les perdre. C'est un exemple. C'est pas forcément ça, mais voilà, on peut. Tout dépend dans quelle maison. Si vous n'êtes pas sportif, c'est sûr que ça va pas vous concerner, mais c'est voilà. Donc, ça peut être bien pour tout ce qui est en rapport avec l'énergie, l'action, des choses à mettre en place. Voilà, ça peut aller au bout, ça peut porter ses fruits en fait. Ensuite, par contre, en revanche, le Soleil sera en carré à Mars en Verseau du 14 au 27 février. Donc attention à la rébellion en Verseau. Beaucoup d'agressivité, ça peut être en rapport avec le père, mais aussi avec l'amitié, dans un collectif. Attention au groupe, quand on se rassemble dans des rassemblements avec des gens, il peut y avoir des frictions. Donc faire attention à cette période-là, hein. C'est souvent la période des révolutions ou des manifs ou des choses comme ça. Si on doit se rassembler, faire attention de ne pas prendre une balle perdue, quelque chose d'un peu imprévisible, un verseau qui peut nous faire du mal. Donc soyez prudents à ce moment-là et gardez vos nerfs. Ensuite, le Soleil sextile à Mars en Poisson du 25 mars au 5 avril, enfin 23 mars au 5 avril, pardon. Donc encore une fois, bonne influence énergétique, hein, pour l'action. Alors en poisson, c'est plus dans une notion d'idéal, d'intuition. Donc là, on peut agir vraiment avec notre intuition, être beaucoup plus à l'écoute de l'environnement qui nous entoure, avoir les antennes plus ouvertes, et donc suivre vraiment son intuition, quoi, son voilà, c'est tout ce que sa petite voix intérieure. Donc c'est vrai que c'est positif pour agir à ce moment-là. Soleil conjoint Mars en taureau ensuite du 10 au 23 juin. Donc encore une fois là, aspect en demi-teinte parce que Mars est en exil en taureau. Donc forcément, la position de cette planète dans ce signe n'est pas forcément la meilleure. C'est plutôt un aspect, on va dire, enfin la planète n'est pas en affinité avec le signe, mais tout dépend des aspects. S'il y a plutôt des bons aspects dans votre thème, on va dire que vous avez encore pareil de bonnes énergies pour, par exemple, agir pour abattre un travail, pour aller jusqu'au bout de vos convictions, que sais-je, pour plein de domaines. En tout
tout cas, voilà, c'est plutôt favorisé. Par contre, si vous recevez plutôt des mauvais aspects, vous allez plutôt être ruminant, voire colérique. Donc attention, à ce moment-là, encore des frictions d'agressivité. Et en taureau, on rumine pas mal. Donc attention de ne pas trop rentrer votre colère et la sortir. Parce qu'elle est réputée tempétueuse et assez violente quand elle sort après avoir moult rentré sa colère. Ça peut être assez violent, donc attention de pareil d'être un peu de pas rentrer dans des violentes colères ou d'être trop agressif à ce moment-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Cancer du 5 au 23 septembre, donc l'aspect plutôt positif pour agir. Alors pareil, en rapport comme avec le poisson, on va dire dans un rapport un peu d'intuition, mais en cancer, c'est plus dans l'émotionnalité. Donc peut-être dans la famille, il peut y avoir des actions nécessaires. On agit avec ses émotions de manière positive. On est très influencé par l'environnement extérieur, par les changements d'humeur. Mais voilà, on a peut-être une bonne intuition aussi encore à ce moment-là. Donc bien pour agir dans tous les domaines de manière générale. Et enfin, le Soleil sera carré à Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre. Donc là, en revanche, attention, encore une fois, là, risque d'agressivité, de colère, de dispute, de pas trop être vindicatif en Lion. Hein, on veut un peu s'affirmer haut et fort, notre volonté, nos désirs, nos passions, tout ce qui nous tient à cœur, en fait. Donc attention de ne pas être trop virulent et de vouloir trop affirmer, d'être trop imposant, on va dire. Donc il faut être plus dans la mesure, parce que là il peut y avoir encore des conflits d'autorité, d'ego, hein, surtout avec le lion. Donc attention, par exemple, tout ce qui a rapport avec la hiérarchie, le rapport au père, ou alors avec voilà, des choses qui peuvent nous toucher à cœur, notamment en amour aussi, par exemple. Le lion représente tout ça aussi. Donc soyez vigilants cette fin d'année. Donc voilà pour le premier décan. Alors ensuite, maintenant on va parler du deuxième décan. Alors, les deuxièmes décans natifs taureaux, donc ils auront le Soleil conjoint Uranus en taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc là, ça donne vraiment de l'entrain, du dynamisme, de l'indépendance. On peut se sentir un peu original, un peu excentrique. On peut sortir des sentiers battus. Ça peut un peu vous déstabiliser, parce que le taureau est pas un signe qui aime bien les changements imprévisibles. Il est plutôt routinier et aime bien être. Avoir des repères, donc c'est vrai que ça peut le déstabiliser, mais il faut bien, ça dépend comment c'est vécu. S'il reçoit des bons aspects, cet aspect sera forcément positif, donc il peut avoir des choses positives qui lui arrivent de manière imprévisible. Par contre, si il reçoit des mauvais aspects, il peut vivre des choses un peu compliquées qui peuvent le déranger, le déstabiliser. Donc tout dépend, encore une fois, les conjonctions, tout dépend des aspects des autres planètes qui recevront en plus. De manière générale, c'est plutôt un sentiment de liberté. Alors, ça peut être en rapport avec le père, avec un mari, un homme, une autorité aussi. On peut se sentir, voilà, d'un peu différent. On peut changer d'air, on peut se sentir un peu excentrique. Voilà, donc il y a un petit côté comme ça qui ressort, côté libre. Ensuite, le Soleil est sextile à Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre. Donc, comme pour le premier décan, là, c'est un aspect positif pour construire, pour établir des choses constructives dans le temps, dans tel ou tel domaine. Ça peut être dans le travail, la famille, l'amour ou autre. Donc, il peut y avoir un sentiment d'être beaucoup plus sérieux, posé, pour arriver à un but, par exemple, idéal, auquel on aspire en poisson. Donc, ça peut être une période où on peut être travailleur, où on a des bons rapports avec l'autorité, le père ou autre. Ensuite. Le Soleil conjoint à Jupiter en taureau du 22 février au 14 avril. Donc là, encore une fois, c'est un aspect de croissance, d'épanouissement. Donc on peut se sentir pousser des ailes, avoir des honneurs, des opportunités, de la réussite. On est plus épanoui, plus enthousiaste, chaleureux. On peut par exemple bénéficier de croissance au niveau matériel et financier de manière générale, mais pas que, ça peut être aussi dans d'autres domaines affectifs ou autres. Là, il y a un rayonnement, une chaleur, quelque chose de très très positif à ce moment-là. Donc, pareil au niveau des rapports avec aussi la hiérarchie, le père ou un homme, ça peut être aussi positif. Ou attention, dans le cas où il reçoit des mauvais aspects, il peut y avoir pas mal d'excès. Donc attention aussi à l'orgueil et à de la vanité, être trop suffisant aussi, dans le défaut, dans le pire des cas.
Ensuite, il y a Soleil sextile Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier. Donc là, les aspects à Mars, donc premier aspect plutôt positif pour le dynamisme, pour arriver à atteindre ses buts. Donc action très concrète, très persévérante pour arriver à des objectifs. Donc ça peut être bien pour le travail, pour abattre un travail, pour se fixer des objectifs ou dépenser une certaine énergie. Donc je pense notamment après les fêtes, par exemple, cet aspect arrive à ce moment-là, peut-être pour perdre un peu de poids après les fêtes, suite à des excès de table, hein, qui est propre souvent au taureau, qui est un signe très gourmand, très attaché à la matière et à la bonne chair, on va dire. Donc ça peut être bien pour ça, par exemple, mais pas que. Ensuite, on a le Soleil carré Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Donc attention à vous, là, à ce moment-là, dans le rapport aux autres, à ne pas être trop virulent, voire même par rapport aux accidents. Hein, on peut se frictionner, on peut avoir un imprévu, il y a quelque chose qui peut nous déstabiliser. Donc attention de garder ses nerfs, parce qu'on peut être un peu agressif et rentrer dans des conflits qui peuvent être souvent un peu imprévisibles, voire en rapport avec des groupes, hein, en Verseau. Donc attention dans les amitiés, dans des groupes, ça peut être par exemple dans des manifs, dans des collectivités autres, etc. Donc voilà, soyez prudents. Ensuite, Soleil sextile Mars en Poisson du 5 au 18 avril. Donc là, c'est plutôt positif pareil, pour agir, pour un idéal, hein, en Poisson. Donc il y a une volonté peut-être d'atteindre certains buts, de vouloir agir selon son intuition, selon son ressenti, sa petite voix intérieure. Donc écoutez-la, parce que ça peut être très positif. On est souvent sur la bonne voie. Donc n'hésitez pas, voilà, à suivre votre intuition à ce moment-là. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc là, encore une fois, l'action peut être plus ou moins bien maîtrisée selon les aspects que recevra cet aspect dans votre thème. Donc d'une manière générale, c'est beaucoup d'énergie à abattre, peut-être pour un travail, pour être productif en Taureau. Donc il y a une notion, alors aussi de déstabilisation, parce que Mars en Taureau, il est plutôt en exil, on dit, donc il n'est pas trop bien. Donc attention de ne pas ruminer non plus votre colère si jamais il y a des conflits latents ou des choses qui sont trop rentrées en vous. Ça peut ressortir et être assez, peut être violent selon les aspects que ça reçoit. Donc attention à être plutôt serein et maîtriser un peu ses nerfs aussi à ce moment-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Cancer du 23 septembre au 12 octobre. Donc là, plutôt positif pour agir, encore une fois, du point de vue intuitif avec ses émotions. Hein, on agit avec son ressenti, donc beaucoup d'intuition, de ressenti. On peut agir pour la famille, pour les proches. Donc là, même si le Mars il est en chute en Cancer, voilà, il peut y avoir quand même des choses positives. Donc utilisez bien votre énergie à ce moment-là pour quelque raison que ce soit. Et enfin, Soleil Trigone Lune Noire en Vierge du 1er janvier au 31 mars. Donc là, ça donne plutôt un aspect dit, comment dire, intérieur, sur un côté un peu de sublimation, de venir de manque qui peut être généré en nous, hein, notamment par rapport à tout ce qui est en rapport avec la Vierge. Donc je pense notamment à l'analyse. Il peut y avoir des maniaqueries, des détails comment dire, à corriger. Donc ça peut être des habitudes à prendre qui peuvent être positives, des choses qui nous régénèrent aussi, hein, qui permettent comment dire, de sentir en adéquation avec certaines valeurs, donc notamment la Vierge et le sens du service. Puis avoir un besoin de servir à ce moment-là, par exemple, le côté très analyste, détail, vouloir être propre, peut-être nettoyer certaines choses, être en accord avec les valeurs et puis enfin ses valeurs propres et comment dire les des choses à corriger peut-être dans votre vie quotidienne en fait qui peut être revues aussi sur le plan professionnel hein, qui peut être intéressant à voir à ce moment-là. Voilà, alors c'est un peu subtil à expliquer, c'est vrai que c'est particulier. Mais voilà ce que je peux dire pour ce dernier aspect et pour ce deuxième décan pour le signe du taureau. Enfin, je vais parler donc du troisième décan. Alors, les troisièmes décans, donc vous aurez le Soleil Trigone à Pluton en Capricorne du 1er au 21 janvier au 2, enfin, et du 2 décembre au 19 novembre.
Donc là, c'est un aspect plutôt positif hein, pour la régénération, pour se transformer, pour changer certaines choses en vous. Alors, avec Pluton, c'est toujours imperceptible hein, à l'œil nu, donc vous verrez pas, c'est très particulier. Ça se fait dans le temps, sur plusieurs années souvent. Donc là, c'est vraiment le début de cet aspect qui est plutôt positif. Alors, ça a pu commencer un peu en mars, là, à partir de mars 2023, sur 2 mois à peu près. Vous avez peut-être pu avoir un petit avant-goût, mais voilà, c'est particulier, on ne peut pas trop vous dire, c'est selon les expériences de chacun. Donc il peut y avoir un sentiment de renaissance là qui peut se faire, renaissance intérieure, une régénération, quelque chose de positif. Alors ça peut être avec le père, avec une autorité, avec un homme aussi, il peut y avoir des choses positives à ce moment-là. Alors vraiment pour les tout débuts du troisième décan, donc des signes du taureau, donc ceux qui sont nés à peu près vers le 10, 11, 12 mai, à peu près, on va dire, de manière générale. Voilà, parce que Pluton avance très lentement, donc c'est vraiment les tout débuts de ce signe qui seront concernés, du troisième décan. À voir, selon le temps, là, je ne peux pas trop développer, parce que c'est particulier. En tout cas, il y a une notion de régénération et de transformation, hein, propre à votre personnalité. Ensuite, il y a le Soleil sextile Neptune en Poisson toute l'année. Donc vous avez toujours cette intuition, il y a vraiment un côté, on est en contact avec l'invisible, entre guillemets. On a vraiment une forte intuition encore cette année pour les troisièmes décans. Donc c'est positif, servez-vous-en parce que vous êtes favorisé par rapport à ça. Donc il y a une notion de recherche d'idéal, de se sentir en communion avec son entourage, avec... Ces relations aussi, alors ça peut être dans les relations, après ça peut être dans d'autres domaines de vie, mais de manière générale, bah, c'est beaucoup d'intuition en vous qui vous aide à palper un peu l'invisible et être plus en adéquation avec un sentiment, on va dire, d'être sur une même longueur d'onde, d'être sur une notion où on se sent à peu près, on se sent bien quand on est dans son fort intérieur en phase. Ensuite, il y a Soleil conjoint Uranus en taureau du 14 mars au 31 décembre. Donc là, vous avez un aspect d'indépendance hein, qui ressort, un peu comme le deuxième décan d'ailleurs. Sauf que vous, c'est du 14 mars au 31 décembre. Donc pendant cette période-là, ou presque toute l'année 2024, vous allez vous sentir un peu pousser des ailes, un peu voire excentrique, un peu original. Hein, c'est pas trop dans votre fort, hein. Le taureau plutôt un signe plutôt cartésien, enfin très ancré dans ses habitudes, pépère, très dans son précaré, entre guillemets, qui aime bien avoir ses repères, et là on peut être un peu déstabilisé. Donc après tout dépend des aspects que recevra cet aspect, mais ça peut être un aspect qui peut déstabiliser, être un peu imprévisible aussi. Donc à voir ce qui peut vous arriver, mais il peut y avoir des choses un peu qui vous tombent dessus, sans que vous vous y attendez. Donc soyez particulièrement attentifs et ne vous laissez pas. Il faudra bien les accueillir, il faudra bien les gérer. Et ça peut être bien vécu, voilà, selon les aspects que ça reçoit. Ensuite, Soleil conjoint Jupiter du 14 avril au 25 mai. Donc aspect de croissance, d'opportunité, d'épanouissement. Donc plutôt un aspect positif, a priori. Hein, on peut avoir beaucoup comment dire, d'accroissement matériel, financier, mais pas que. On se sent bien dans ses baskets, dans sa peau. Beaucoup d'épanouissement, d'enthousiasme. A contrario, s'il y a des aspects mauvais qui sont, enfin dissonants, qui sont reçus de cet aspect en plus, vous pouvez être un peu dans l'excès. Alors attention, par exemple, à la nourriture, c'est un exemple, mais c'est pas que ça. On peut prendre du poids, par exemple, avec un aspect pareil. Mais pas que, ça peut être par exemple aussi être trop confiant, être trop vaniteux, être trop suffisant, avoir trop confiance en soi, être trop orgueilleux, être trop voilà imposant. Donc il faut peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin parfois. Donc tout dépend encore une fois du thème de chacun. Ensuite le Soleil sextile Mars en Capricorne du 1er au 13 février. Donc là c'est au niveau énergie, vous avez beaucoup d'énergie à revendre, plutôt positif, peut-être envie d'aller abattre du travail, aller à un objectif qui vous sera important. Ça peut être, voilà, ça peut être. Alors j'ai parlé par rapport aux fêtes, vouloir perdre du poids, ça peut être bien pour le sport, pour arriver à un objectif, mais pas que. Ça peut être pour plein de choses. Donc encore une fois, c'est très général, malheureusement, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Ça dépend du thème de chacun.
Ensuite, le Soleil carré Mars en Verseau du 11 au 22 mars. Donc attention, cependant, là, à ce moment-là, de ne pas être trop dans le conflit, l'agressivité, avec les autrui, hein, surtout dans le rapport avec le groupe, ou alors quand on veut refaire le monde, des choses comme ça en Verseau. Donc soyez attentifs dans vos amitiés, par exemple, on peut être assez, comment dire, cassant, vindicatif, hein, être un peu rebelle. Hein, on veut peut-être se faire comprendre et être. Même si on peut être précurseur, attention de ne pas vouloir agir plus vite qu'autrui et vouloir un peu tout envoyer en l'air. Hein, en Verseau, on est un peu imprévisible et un peu radical, quoi. Donc il faut faire attention à ce moment-là. Ça peut être aussi un coup du sort qui nous tombe dessus. Donc soyez prudents, hein, dans vos sorties, notamment tout ce qu'on rapporte avec des groupes. Alors ensuite, Soleil sextile Mars en Poisson de 18 au 30 avril. Par contre, là, c'est plutôt positif pour agir encore une fois avec son intuition, avec beaucoup beaucoup d'intuition, beaucoup comment dire, de ressenti en fait. Donc, je sais, en fonction de vos ressentis, ça sera plutôt positif à ce moment-là. Hein, vos antennes seront ouvertes assez. Captera vraiment l'invisible, on va dire, entre guillemets. Donc vraiment, si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, faites-le, parce que là, ça peut être positif, dans le bon sens. Suivez vraiment votre intuition. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Taureau du 7 au 20 juillet. Donc là, ça peut être plus ou moins bien dans le sens qu'il y a de l'énergie. Mais Mars en Taureau, c'est une planète qui est en exil, on dit, donc qui n'est pas forcément en affinité avec ce signe, pas à l'aise du tout. Pas bien dans ce signe, donc forcément, bon, si l'aspect est bien, reçoit de bons aspects, la conjonction, on va en dire plutôt du bien, donc beaucoup d'énergie pour abattre un travail, pour être productif, pour gérer plein de choses. Voilà, donc c'est plutôt une énergie mise à contribution de manière positive. Par contre, ça reçoit des mauvais aspects, voilà, selon les planètes, ça peut être assez compliqué. Donc ça peut être de l'agressivité, ça peut être des conflits. Donc toujours avec l'autorité, le père, un homme, etc. Mais ça peut être aussi voilà, des tensions intérieures, il y a besoin de se dépenser aussi, ça peut être important à ce moment-là. Donc soyez prudents, encore une fois, plus ou moins, selon les aspects que vous recevrez. Ensuite, le Soleil sextile Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre. Donc là, plutôt aspect positif pour agir, encore une fois, avec vos ressentis. Donc on agit avec ses humeurs, ses émotions, on écoute vraiment. Peut être un peu changeant, mais voilà, on agit vraiment selon un ressenti. On est assez alerte sur l'environnement, sur les dispositions à prendre. Donc, même si l'appareil, cette planète, n'est pas trop en affinité avec ce signe, elle n'est pas trop à l'aise, c'est quand même un bon aspect. Donc, on peut agir quand même de manière positive. Hein. Ça peut, voilà, ça peut être un peu fait de manière. Comment dire, douce, hein, c'est pas forcément violent, ça peut être de manière assez selon les aspects qu'il reçoit, bien entendu, mais c'est plutôt positif. Donc on peut agir aussi pour la famille en Cancer, voilà, donc entre autres, hein, pas que. Et enfin, Soleil Trigone Lune Noire en Vierge du 1er avril au 29 juin, donc là, aspect plutôt régénérant pour alors comment on pourra dire ça, pour combler certains manques, hein, au niveau de par exemple de détails, on peut avoir des maniaqueries en Vierge. Il peut y avoir ce sentiment de vouloir avoir des tâches à accomplir, des choses à faire, des obligations en Vierge. Boulot, métro, dodo, le ménage, leur passage, que sais-je. Ça peut être pour le travail, hein, le travail quotidien. Donc, il y a peut-être des choses à revoir, des choses qui peuvent vous permettre de pas avoir vu certaines choses qui peut être salvatrice à ce moment-là et pouvoir combler un manque. Et de réparer certaines choses qui peuvent vous combler intérieurement, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu intérieur, c'est des énergies un peu particulières, mais qui sont assez intéressantes on y prend garde. Donc voilà ce que je peux dire de manière générale sur le troisième décan et sur donc l'horoscope 2024 pour les taureaux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si c'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo pour le signe des Gémeaux pour 2024. Je vous remercie et au revoir.